Je vous souhaite à tous une agréable semaine. Oui, par la grâce de Dieu, oui, tout ira à merveille. Faut garder le sourire tant qu'à la santé tout va bien. Faut garder le sourire tant qu'à la famille tout va bien. Coucou mes choubidous, tout simplement de fraîcheur, voilà. De fraîcheur et tout ça, parce que sincèrement, avec tout ce qui se passe, les climats et tout, l'anxiogène, et... bref, voilà. Donc, un petit peu d'humour dans ce monde de brut, n'est-ce pas? Donc, j'ai l'intention de devenir un petit peu éco-responsable. Pourquoi? Parce que par rapport à ce que j'ai, je l'ai. Hein. Mais par rapport à l'émission, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses, notamment Action, l'envers du décor, plein de choses comme ça, le plastique qui n'est pas bon pour la santé, pour la planète, enfin beaucoup de choses comme ça. Je ne suis pas la seule comme ça, mais un centime par un centime par un centime, ça monte. Et bien là, si on pouvait toutes faire un petit geste comme ça, ce serait déjà pas mal. Ne serait-ce que d'aller vider les bouteilles d'eau dans les bonnes poubelles, les canettes dans les bonnes poubelles et les plastiques et les cartons dans les bonnes poubelles. Déjà ça, c'est un geste énorme. Quant à les achats, moi je fais des achats compulsifs. Du coup, j'ai eu un petit déclic. Le déclic fait que j'ai plus trop envie d'acheter compulsivement. C'est-à-dire que ça me fait réfléchir. Mais avant, j'ai quand même acheté. Donc, je suis allée, j'ai mon amie qui est passée chez TEDx, enfin c'est un gros truc TEDx, je devais y aller, mais j'avais des petits vertiges ce jour-là, donc je ne suis pas allée, mais je me suis acheté un petit haut, voilà, je me suis acheté ceci, je l'ai payé 21 euros, comme ceci, voilà, bien sûr, made in Chine, j'ai plus envie d'acheter chinois, alors du coup, je n'ai plus rien acheté. Ben, au moins, ça me fera des économies. Mais de toute façon, vous me verrez toujours sur la chaîne avec d'autres trucs. Hein, y a pas de souci. Hein. Je peux vous faire des hauts, là, vitam eternam, tellement j'ai de choses chez moi. Voilà, ceci. Par contre, je viens de m'apercevoir. J'ai cassé mes lunettes. Et du coup, je me suis racheté une paire de lunettes. Et franchement, honnêtement, j'en ai eu pour 39 euros avec les verres. Et la petite monture, elle est vert olive. Sincèrement, je la trouve super mignonne. Parce que vous voyez, regardez. Voilà. Ça, c'était Nina Ricci. Ben, Nina Ricci est partie dans les choux. Elle était trop belle. Hein. Et du coup, ben voilà. Puis alors, je voulais mettre sur d'autres montures, mais c'était impossible. Donc, j'avais une petite monture que j'ai pu mettre. C'était un créateur qui avait fait ça il y a des années. Elles sont magnifiques. Elles sont violettes. Elles sont en forme comme ça de papillon. Elles sont super jolies. Donc, ils m'ont mis la monture dessus. Il faut que j'aille les chercher. Donc, c'est mes anciens verres. Comme ça, j'ai deux paires. Hein. Voilà. Et celles-ci, franchement, je les trouve très, très jolies. Du coup, voilà. 39 euros, ça va. Hein. Et là, par contre, je me suis aperçue d'un truc qui avait marqué. J'aurais vu ça, même si je le savais, je ne l'aurais pas acheté. Alors, parce que je trouve que c'est abusé. Avertissement, tenir éloigné du feu. On le sait, mais ce n'est pas la peine de le dire, quoi. On le sait, hein, mais ce n'est franchement pas la peine de le dire. En tout cas, il est très mignon. Regardez, il est trop, trop joli. Il est un petit peu épais, comme ceci. Vraiment, ça c'était avant, je dis bien, c'était avant que je me décide à changer grâce à l'émission Tout compte fait. Merci Elena, merci Romain parce que ça m'a apporté énormément. Voilà, je ne vois plus Action de la même façon, même si c'est vrai que 6 petites cuillères à 49 centimes, c'est toujours intéressant de les acheter. Je ne dis pas que je n'irai pas, mais je vais acheter utile et responsable. Voilà, 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 j'espère que vous allez m'aider. Hein, allez, on se fait un challenge, on essaye toutes de faire un geste. On essaye toutes de faire un geste, un petit geste. Et vous me dites ce que vous allez faire comme geste. Déjà, trier les poubelles, franchement, c'est important. Donc voilà, celui-là. Et puis, j'ai pris ce petit pantalon qui est très large, qui fait un peu jupe longue parce que ça va être la mode des... Vous savez que c'est la mode du long. Et du coup, ben, je me suis dit, ça fait pantalon, ça fait deux en un et en même temps, ça fait jupe. Franchement, puis ça peut faire robe avec le haut, avec une petite ceinture. Franchement, je me suis dit, bah, ça passe partout. Je l'ai payé 17 euros. Bien sûr, c'est pas soldé. Hein. Mais voilà. Mais c'est peut-être le seul achat que j'ai fait. Enfin non, je vais vous montrer d'autres choses. Mais ça, c'était avant. On est d'accord, avant. J'ai changé. Alors, vous savez que je vais aller au mariage de ma nièce. J'ai toujours pas trouvé la robe parfaite. Un jour, je vais la trouver. Celle-ci est parfaite. Hein. J'ai payé 17 euros. Elle est magnifique. Regardez. Elle est vraiment magnifique, c'est un cache-cœur. J'ai Asos, quand c'était les soldes, je l'ai payé et regardez.
Bon, je ne vous dis pas. Maintenant, je vais regarder Made in Chine, mais de toute façon, tout est Made in Chine, alors on ne se prend pas la tête. Hein. Made in Albanie. Ah, ben non, Made in Albanie. Ah là, regardez. Et franchement, elle est très, très jolie, je vous assure. Elle est vraiment très belle. Elle est en cache-cœur. Elle est très longue. Et je pense que sincèrement, avec toutes les robes que j'ai achetées, c'est peut-être celle-là que je vais mettre. Elle est trop trop belle. Je n'ai personne pour la montrer. J'ai personne pour filmer. Donc je ne peux pas la mettre. Je ne peux pas faire de close-up parce que c'est compliqué. Si close-up peut-être. Et celle-là, je me suis fait avoir. Déjà par la couleur. Mais alors la taille, je l'ai payée 20 euros. Vous vous rendez compte? 20 euros, 17 euros, 20 euros, 17 euros. Ça, c'est des achats compulsifs. J'aurais pu en acheter qu'une. Une de qualité. Quoique c'est de la qualité, mais c'est trois fois trop grand, quoi. 42, je crois. Elle est trop belle, mais malheureusement, elle est pas, elle est trop grande pour moi. Elle est comme ceci. Là, elle est très longue. En plus, elle est trop longue pour moi. Elle a des petits boutons comme ceci. Et franchement, et derrière, elle est magnifique derrière. Regardez. Voilà. Derrière, elle est comme ça. Le dos, il est comme ça. Je sais pas si vous voyez. C'est pas évident. Hein. Voilà. Hop. Attends, Alain. Alain Parfum, Parfum TV, c'est mon ami et vous pouvez vous abonner à sa chaîne si vous n'êtes pas abonné parce qu'il est vraiment super, il parle des parfums comme un rêve. Qu'est-ce que je vous dis que c'est Made in China? Made in China, voilà. Par contre, vos Asos, c'est pas Made in China, vous voyez, c'est Made in Albanie. Donc, et je sais que tout vient de Chine, hein, franchement, tout vient de Chine, ça c'est sûr. Hein. Mais moi j'ai envie un peu de sauver la planète parce que quand on voit l'état que. Quand ils n'ont pas travaillé, et c'est nous qui les ont travaillés, hein, c'est toute tout le monde, hein, la terre entière, le monde entier, hein, principalement la France, AliExpress et tout ça. Eh bien, quand on voit l'état, j'essaierai de vous trouver une photo pour vous mettre en close-up. Quand on voit l'état, quand il y a la pollution et que là maintenant, bah, ils sont confinés chez eux et tout, ils ne peuvent rien faire et tout ça, et que c'est tout blanc et avant c'était carrément tout rouge. Que de la pollution, eh bien, moi, je me dis, eh ben non, je vais peut-être plus les faire travailler, les Chinois. Je trouverai autrement, une autre façon. Voilà, on verra bien. Je ne dis pas que je vais m'y tenir, mais j'ai envie de m'y tenir. J'ai envie de m'y tenir. À savoir si je vais. Je ne sais pas, mais parce que je craque beaucoup. Mais là, l'émission, comme je vous ai dit, m'a fait un gros déclic. Donc, on verra. On verra. Je vais vous montrer d'autres choses aussi que j'ai achetées avant. Avant. Alors, j'ai payé ce petit haut, je l'ai payé 15 euros. Ou 10 euros, je ne sais plus. Je l'ai trouvé magnifique. Il est sublime. Avec la petite ceinture, mais moi je le mets avec une autre ceinture. Et j'ai acheté celui-ci à 15 euros ou 10 euros. Pareil, comme ceci. Un petit haut, tout simplement, pour mettre tous les jours. Il faut que je le lave d'ailleurs. Je l'ai payé 15 euros avec la petite ceinture. Sympa, hein? Voilà. Eh bien, en fait, ce que je voudrais savoir, c'est dans quel magasin j'ai pu l'acheter. Je ne vous demande pas la marque. Je vous demande juste dans quel rayon. Voilà. Sur ce, bah, je vous ai tout montré. Cette fois-ci, je vous fais plein de bisous. Ça fait déjà 10 minutes, dis donc. Et surtout vous dire que voilà, je voulais devenir éco-responsable, et ça va être compliqué. Moi qui suis une compulsive, intensive, addict Action, je suis un peu déçue par Action. Je vous expliquerai pourquoi la prochaine fois. Mais du coup, il faut savoir qu'effectivement, il y a le revers de la médaille. Action est derrière, les employés. On a des petits prix, mais à quel prix? Je vous conseille de regarder l'émission Tout compte fait, non pas pour moi, mais pour vraiment voir le reportage en entier, qui est vraiment très très intéressant, même si moi je suis passée. Sincèrement, c'est pas pour moi. C'est moi, ça m'a fait. Mais d'ailleurs, cette émission me fait beaucoup réfléchir. L'autre fois, c'était sur le gaspillage. Franchement, me fait énormément réfléchir. Donc, je remercie beaucoup France 2 pour cette émission Tout compte fait, qui mériterait. La dernière fois, on avait 1,2 million de vues, et qui mériterait d'aller au-delà parce que, franchement, c'est une très très bonne émission. Sur ce, bah, je vous dis, I love you, je te dis, je te quiero, dis un mot. Je vais mettre la vidéo quand je me suis maquillée, que j'ai fait le make-up. Vous allez mourir de rire. Bien sûr, je vous embrasse très fort et je vous dis
N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et de toute façon, il y aura toujours des tas de choses sur ma chaîne. Peut-être moins de haut l'action, parce que c'est sûr que les haut l'action, ça fait des vues, des vues, des vues, des vues. Mais moi, je m'en fous des vues. YouTube, il y a très peu de personnes qui vivent de YouTube, quoi. Les gros YouTubeurs, mais les petits YouTubeuses comme nous, on ne peut pas vivre de YouTube. C'est pas possible, il faut un travail à côté. Voilà. Bon, bah sur ce, peut-être qu'il y a des personnes qui vont être en colère, mais c'est pas grave. Je vous embrasse très fort. Je vous dis, I love you, je te dis, te quiero, te amo, bye bye. Et cela dit, j'aime toujours action, mais avec réflexion. Voilà, action avec réflexion. Ça va être mon slogan, action, réflexion. Bisous, bye bye, ciao, I love you, je te dis, te quiero, te amo.